Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les balances du 16 au 30 septembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Vous pourrez y retrouver mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous mettrai le lien de mon adresse mail également en barre d'infos. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. Je peux parler d'une femme et ce sera un homme, comme je peux parler d'un homme et ce sera une femme. N'oubliez pas que les cartes parlent au passé, présent ou futur. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre lunaire ainsi que votre Vénus pour avoir un complément d'information. D'aller voir le signe de votre hôte, son ascendant, son lunaire et son Vénus pour voir si cela correspond. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la clochette de notification, de liker, partager. Surtout faites-moi vos retours en commentaire, bon ou mauvais, tant que ça reste dans le respect, je prendrai le temps de vous répondre avec plaisir. Donc pour cette guidance, je vais utiliser la triade sur un tableau de 13 cartes, donc 12 cartes pour avoir l'évolution de la relation et la 13e pour avoir la finalité. Ensuite, l'oracle des miroirs sur un tableau de 15 cartes que je recouvrirai avec l'améthyste love. Allez, donc pour les balances du 16 au 30 septembre. Balance sentimentale du 16 au 30 septembre, s'il vous plaît. Hop là. Ok. Alors ici, on me parle d'une femme qui serait... cette personne est tentée de revenir vers vous. Pour l'instant, c'est une personne qui préfère garder le silence pour se protéger par protection. Par protection de quoi, on va le voir après. Mais cette personne a aussi envie de revenir vers vous et tentée par revenir vers vous, d'acter un retour de communication. Hein. Donc voilà, cette personne a besoin d'être un peu dans le silence pour retrouver un petit peu quelque chose de calme, quelque chose de serein. Donc peut-être votre relation, peut-être ses émotions. On peut avoir une personne qui a besoin de retrouver, d'être silencieux ou silencieuse pour retrouver un équilibre, une sérénité. Donc là, on me parle de retrouver la paix concernant une erreur. Donc vous avez peut-être fait une erreur ou votre autre a fait une erreur et au lieu d'en parler, vous avez... Peut-être vous préférez peut-être garder ça pour vous. Vous n'avez pas envie de parler avec votre autre. Hein. Alors. Oui. Bon, pour moi, alors soit votre autre a fait une erreur, soit vous avez l'impression que d'être avec cette personne est une erreur. Vous avez l'impression de vous tromper encore. Pour moi, il y a quand même des choses qui sont à construire. Donc, pour moi, ici, on a une personne qui a vécu, enfin, qui a... qui a vécu une erreur ou qui a fait une erreur, qui a besoin de se mettre dans un silence pour retrouver un petit peu la paix, la sérénité, le calme, afin de pouvoir construire quelque chose. Ici, on me parle de tentation. On a une personne hein, qui a envie de revenir vers vous ou vous avez envie de revenir vers cette personne. On me dit bien que vous ne le faites pas, peut-être plus par protection, mais on me dit bien ici qu'on va acter la fin de cette protection. Pour moi, vous allez arrêter de vous protéger pour retourner voir cette personne ou laisser cette personne revenir vers vous. Ici, on me parle d'une femme qui doit ouvrir les yeux concernant un lien d'âme que vous avez avec votre... Donc, si c'est vous, mesdames, c'est vous qui avez un lien d'âme avec ce monsieur. Si c'est vous, messieurs,
Vous avez un lien d'âme avec cette femme. C'est une relation qui peut vous amener beaucoup, beaucoup de richesse. On me parle ici de tentation de retrouver le calme. On a envie de se rendre compte des choses pour pouvoir retrouver le calme et la sérénité dans son couple. On me parle d'une femme qui, par protection, préfère garder le silence plutôt de communiquer. On me parle bien d'une personne qui a peur du retour d'une personne. C'est quelqu'un qui a l'impression de faire une erreur, que si cette personne accepte le retour de son autre, aura l'impression de faire une bêtise, de faire une erreur. Et pourtant, on me dit bien ici que vous êtes en lien d'âme sœur avec cette personne. On me dit bien qu'il y a des choses qui sont constructibles. Il me semble ça constructible. Ouais, non. Bon, on peut construire des choses avec cette personne, excusez-moi. On peut construire des choses avec cette personne, mais il va falloir acter la fin. Donc, il y a une fin à faire avant de construire quelque chose. Donc, peut-être la fin du passé, des traumatismes du passé, la fin d'une erreur, la fin d'une trahison, pour pouvoir construire quelque chose avec cette personne. Et on me dit bien ici qu'il y aura beaucoup de richesses. On va aller voir avec la 13e carte ce que nous avons pour les balances. Voilà. Donc, voilà. Pour moi, vous devez acter un pardon. Donc, soit pardonnez à votre autre, soit vous pardonnez. Si vous attendez le pardon de votre autre, je pense qu'il va falloir en discuter, il va falloir communiquer ce besoin d'avoir des excuses par rapport à une erreur qui aurait été actée. Alors, j'ai deux cartes qui... Oh, trois. Alors, ça, je l'ai... On va aller voir, du coup. Voilà. Je vais juste remélanger pour avoir le dos de deck parce que, du coup, j'étais pas du tout dedans. Mes cartes étaient retournées. Ah, non. Alors du coup ici, je me suis trompée. Non, alors du coup ici, c'est qu'évidemment, il y a un accomplissement. Vous voyez, en fait, j'ai deux cartes qui se ressemblent beaucoup. Et à chaque fois, je me trompe. Donc ici, on a quelque chose qui va aboutir. Donc on a quelque chose qui est possible de construire, qui est possible d'avoir un accomplissement sur cette chose-là. Mais évidemment, on me parle d'acter une fin concernant une rupture, une dispute, une séparation, mettre des choses en ordre pour pouvoir avancer, pouvoir comprendre ces choses qu'on a à mettre en ordre pour pouvoir acter le calme et la sérénité. Donc pour moi, il y a un besoin de communication. Vous êtes en lien d'âme sœur avec cette personne, mais vous devez communiquer et acter un accomplissement sur le retour de cette personne et sur les choses que vous pouvez construire. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Sentimental balance du 16 au 30 septembre. J'apprends pas parce que j'ai pas le temps de mélanger. Voilà, ça ne veut pas aujourd'hui. Ah bah, alors, c'est soit ça ne veut pas ou soit c'est trop pour les balances. Hein. Alors, on a une évolution, on a quelque chose qui va évoluer, qui va grandir, qui va se faire. Hein. Donc, évolution plutôt positive pour moi. Après, ça peut être une évolution personnelle. Vous avez besoin d'une évolution. D'accord. Donc là, pour ma première ligne, on va avoir quand même une ouverture hein, pour la communication avec une personne qui aurait pris de la distance. Le fait de pouvoir communiquer avec cette personne va vous amener à une évolution. Ou l'inverse. Votre évolution pourrait amener cette personne à revenir vers vous. On a eu des accusations concernant le plan sentimental,
Donc, une femme, ok, d'accord. Donc, il y a des accusations. Soit il y a eu des accusations envers cette femme, soit c'est cette femme qui a fait des accusations sur le plan sentimental par rapport au retour d'une personne. Soit c'est elle qui souhaite revenir vers une personne, soit elle attend le retour d'une personne qui, pour moi, sera positif ici, puisque nous avons la richesse, l'abondance qui vient. Ensuite. Bon, pour moi ici, on a quand même un travail à faire sur les accusations pour pouvoir évoluer, hein. Alors, ici, pour moi, on a une évolution personnelle à faire. Il va falloir, pour moi, cette évolution peut vous amener à pouvoir communiquer avec une personne qui a pris de la distance et qui va amener à une ouverture. Donc, pour moi, si il n'y a pas d'évolution personnelle ici, vous n'aurez pas cette ouverture pour communiquer avec votre autre, avec cette personne qui a pris de la distance. Pour moi, ici, on a eu des accusations sur le couple. Donc, on a cette femme, soit cette femme a commis des accusations sur une personne, donc sur son autre, sur le plan sentimental, soit c'est elle qui a reçu des accusations. On me dit bien que ces accusations jouent un petit peu sur le retour de cette personne, qui pour moi pourrait être positif. Mais comme je le disais juste avant, il faut une évolution personnelle avant de pouvoir avoir le retour de cette personne. On me dit bien ici qu'il y a un travail à faire. Pour moi, sortez ici de votre zone de confort, sortez de vos schémas, retrouvez un compromis, retrouvez un équilibre, essayez de retrouver votre insouciance, essayez surtout, pour moi, de ne pas parler à tout le monde de ce que vous faites. On peut aussi ici me dire hein, que vous ne voyez que ce que vous avez envie de voir, vous n'écoutez que ce que vous avez envie d'écouter hein, et vous dites ce que vous avez envie de dire. Vous ne dites pas forcément la vérité, vous n'entendez pas forcément la vérité, vous ne faites pas forcément la vérité. Ça peut justement provoquer un déséquilibre chez votre autre hein, qui pour l'instant subit ces accusations et complique un petit peu hein, le retour. Hein. Donc ici, on me parle quand même de jalousie. On a une victoire, mais il y a de la jalousie. Donc effectivement, on a des personnes jalouses autour de vous qui sèment un peu la pagaille. Donc ici, on a quand même une évolution. Il y a un travail à faire concernant des accusations afin de trouver une évolution, afin de faire une évolution. Ici, sur le plan sentimental, on me parle bien de vous. Pour moi, il va falloir sortir de votre zone de confort ou sortir de vos schémas. On me parle d'une femme qui va falloir communiquer, il va falloir qu'elle discute avec des personnes de son entourage afin de retrouver un équilibre. Donc, trouver des amis, enfin, retrouver des amis, retrouver votre famille afin de retrouver un équilibre. On me parle bien ici hein, d'une personne proche de vous, d'une personne qui a pris de la distance. Cette personne revient vers vous. Cette personne va acter une ouverture de communication qui pourrait être très très bonne pour vous. Mais comme je dis, voilà, il y a de la jalousie dans votre couple, dans votre entourage. On me parle bien de victoire, c'est quelqu'un ou quelque chose à laquelle vous pensez beaucoup. Pour moi, il y a de l'instabilité, c'est ce que je vous disais juste avant, il y a de l'instabilité, soit dans votre vie, soit dans votre comportement ou dans votre couple. On me parle bien d'un changement. Ce changement vous préoccupe beaucoup. On me parle de jalousie, donc soit vous êtes jalouse ou votre autre est jalouse, mais il y a de la jalousie. On peut me parler aussi des personnes autour de vous qui pourraient être jaloux ou jalouses de vous. En tout cas, pour moi, on a une victoire ici. Donc, ce sont de la jalousie, pardon, mal placée qui ne vous atteindra pas. Allez, on va aller sur l'améthyste. Avec l'améthyste. Balance sentimentale.
Évidemment, je ne le prends pas. Allez, ballon sentimental. 30. Donc là, on me parle de justice ou d'injustice. On peut me parler du traumatisme d'injustice hein, que vous avez vécu, qui vous reste. On me parle de transformation. Donc pour moi, il y a quelque chose, il y a un travail à faire concernant ce traumatisme d'injustice. Ok, donc on a un temps de pause hein, qui se fait là pour les balances. Balance, ascendant, balance, Vénus ou Mars. Ascendant, Vénus ou lunaire en balance. Il y a un temps de pause qui va se faire avant de retrouver le bonheur. Hein. On a une jeune femme ici qui a besoin de transformation, qui pour moi a besoin de guérison. Hein. Vous voyez encore, on me parle ici encore une fois d'élévation. Donc pour moi ici, on a un besoin de faire une pause afin de retrouver, de faire une transformation sur un traumatisme d'injustice. On me parle bien de cette femme. Pour moi, cette personne est la consultante. C'est ce que je ressens. On a une personne qui a vécu quelque chose comme une injustice. Peut-être une rupture, quelque chose du passé ou quelque chose qui a été vécu dans votre couple, qui a été vécu comme une injustice. Donc cette personne, cette femme va mettre un temps d'arrêt temporaire. On me le répète encore ici, ce sera éphémère. On va vous accorder une seconde chance parce que les sentiments sont réciproques. On me parle bien que cette femme garde des choses cachées. Donc une relation cachée, des sentiments cachés. Il y a quelque chose que cette femme cache pour vous. Ici, on me parle de médisance, d'hypocrisie, de méchanceté. Il y a des personnes autour de vous qui sont jalouses, méchantes, hypocrites avec vous concernant votre relation. On me parle bien d'une relation stable, fidèle, mais il y a une guérison, il y a un équilibre à trouver ou à retrouver dans votre relation. On me dit bien que c'est un amour passionnant et envoûtant, mais qu'il va falloir vraiment trouver un équilibre par rapport à cette relation. On me parle bien d'une élévation à venir une fois cette guérison fait. On me parle d'un traumatisme, ce traumatisme qui engendre un petit peu des médisances, qui sera de courte durée, mais qui entraîne ces petites médisances et méchancetés. On me parle d'une transformation après avoir accordé une seconde chance à une personne, donc à votre autre. On va accorder une seconde chance, vous allez retrouver cette fidélité, cet ancrage avec cette personne, et ça va vous transformer. On va avoir un renouveau, on va avoir un changement rapidement par rapport à cette relation. On me parle d'une personne hein, qui a des sentiments réciproques pour vous, mais qui a besoin de trouver un équilibre, qui a besoin de trouver le calme un petit peu dans votre couple. On parle bien que cette personne a un amour passionnant et envoûtant pour vous, et qu'il y a un bonheur à venir pour vous. Hein. Pour moi, votre couple peut marcher, mais il faut trouver le juste milieu. Pardon. 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 Excusez-moi. Donc ici, et on va mettre un temps de pause sur une relation qui est restée secrète, qui est restée discrète vis-à-vis des autres. Donc pour moi, on a cette femme qui
qui a un peu de mal avec cette relation cachée. Donc cette personne, pour moi, c'est cette femme qui va mettre un temps d'arrêt sur cette relation. Et pourtant, on me dit bien qu'ensuite, on a une élévation, on a quelque chose de plus beau, de plus ancré, qui vient à vous. Donc vous voyez, on a cette belle petite ligne ici, cette belle diagonale qui me parle de réciprocité, de fidélité et d'harmonie, de bonheur. Donc on a vraiment quelque chose qui va se mettre en place pour vous les balances là sur septembre. Mais donc pour les balances, ascendant balance, lunaire en balance et Vénus en balance, on a quelque chose qui va se mettre en place sur septembre. Malheureusement, il va y avoir un temps d'arrêt qui va se faire par rapport à cette femme. Je pense que cette personne souffre beaucoup par rapport au manque d'équilibre, par rapport au manque, ouais, au manque d'équilibre, au manque de calme, au manque de réciprocité au niveau des sentiments. Donc voilà, ce que je vous disais, cette personne souffre beaucoup, cette personne a des blessures. Vous allez pouvoir communiquer avec elle, mais c'est une personne hein, qui souffre beaucoup, qui pourrait être Capricorne, Verseau, Poisson, pareil, ascendant lunaire ou Vénus en Capricorne, Verseau ou Poisson, on me dit bien ici que vous allez vous revoir, vous allez pouvoir communiquer, il va y avoir un rendez-vous. Si je continue, voilà, on me dit bien que c'est un amour sincère, fidèle, que c'est un amour véritable, mais qu'il va falloir être patient. Donc, pour moi, il y a cette personne qui souffre énormément, qui souffre beaucoup de ses sentiments, qui souffre beaucoup de cette liaison secrète, de cette relation secrète, mais avec qui vous êtes en lien d'âme sœur et avec qui la relation est faite pour durer. Donc il y aura un petit temps de pause. Donc voilà pour vous les balances. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance du mois d'octobre. Bisous!